C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé, Red Bull? Tu vas aller proposer à quoi possible. Vas-y. Lemon et ginger, ça a l'air trop bon. C'est pas énergisant. Et si tu veux un soda, ça marche bien. Vas-y, on va goûter ça. Et Mel veut faire plus qu'un resto cette année. Je suis pas sûre, je crois que c'est. On est beaucoup, beaucoup. Donc je sais pas ce qu'ils ont prévu. Parce qu'il y a tous les talents et tous les employés. Donc je te dis, on est. Bon, moins 50. 35, quoi. Ouais, plus pas, même, je pense. En vrai, on pourrait se faire une activité. Hein. Ça peut être une fin d'année, plus ça nous permet de sortir un vlog, c'est super sympa. Ça peut être rapide. Ça peut être Disney. Ça peut être Disney. Ouais. J'ai envie d'aller en ce moment. Ah ouais, enfin, ça va juste être un enfer, quoi. Pourquoi? Bah pour Corentin. Non. Il aime pas Disney. Mais non, mais il pourra pas. Il y a un monde dans lequel on peut avoir Disney peinard, genre on fait ça en soirée, par exemple. Ah c'est trop bien, mais par contre on filme de nuit. Oui, on s'en fiche. On prendra des caméras infrarouges, m'en fous. Faut qu'on voit avec Disney si c'est possible ou quoi, et en fonction. On prend des GoPro. Ou même un matin, tu veux. Enfin, faut voir avec eux. Il faut voir pour pas faire la queue au manège, qui nous empêche déjà de nous faire. Harceler dans la queue mais ou attendre et tout. D'ailleurs, je trouve qu'on parle plus assez de la prime là. C'est vrai que la prime ouais, elle a. Ouais, on est un peu passé à la trappe. Mel là. Mel, la prime. La prime, le sauvage, la prime, argent. Tout à l'heure, je suis arrivé, Camille elle était en train d'étrangler Corentin, j'ai pas trop compris. Pas du tout, je faisais des chatouilles. Et la record pour prouver au syndicat des patrons qu'il se faisait malmener au travail. Le syndicat des patrons. Le culot quoi. Il a vraiment record par contre. Ouais, j'ai vu qu'il recordait, je croyais qu'il était en stream au bout d'un moment. Bon, nous sommes le vendredi 12 novembre, vous vous souvenez de ça? Bah, je crois que c'était que le début en fait. Je crois que la boîte, elle, c'est en train de devenir jouer club. Tout va bien en fait. Le docteur ma boîte, ça fait des années que je peux jouer à ça. Appuie sur mon nez. Des vols de nerfs parce qu'il y en a pas assez partout. Ça encore, passe encore. Un micro, bon. Et ça, s'il le casse pas pendant l'émission de lundi, ah, je pense que ça, je vais tout faire pour le récupérer et le foutre dans l'open space. Haha. D'ailleurs, il faut qu'on remplisse ce guest wall là. Manque plein de gens pour m'en occuper aujourd'hui. C'est la G-Corp, comme dirait MV. C'est grand quand même. On est tout seul, ça fait vide, hein. Salut les gars. Ok, je suis arrivé là il y a quelques minutes parce qu'il y a une petite réunion et Outplay bah, en début de semaine. Et du coup, ah, tu l'as pas, putain. Vas-y, mets-nous en là. attends. Gros niveau, gros niveau. Oh oui. Tant qu'il revient à moi, Il était trop nul, hein. Bon, j'aimerais finir la séquence sur un panier au moins quand même. Oh. Mais c'est pas possible que ça arrive. Élise, y'a rien. Je suis là. J'ai des trucs à te faire imprimer, s'il te plaît. Je l'ai vu arriver, c'était dans les mains de Dieu. J'ai fermé les yeux, ouais. J'ai dit ça tombera ou ça tombe. Oh, il fait froid ici. Je vais zapper le décor de fou. Ah oui, frère. Tu me fais un petit brief. Ma boule ici ou ici. Docteur ma boule. Ok. Les bureaux ne bougent pas. Panier basket. Oh, en plus, le panier basket, il se cale ici. C'est fait pour les portes. Oh là là, incroyable. Tout était prévu. Panier basket. Je vais mettre mon pull et on fait le décor, Alex. Ouais, on attaque le décor. Je vais mettre une veste aussi. Si t'arrives à enlever les 15 Jenga, t'as un bonus sans que la tour tombe, t'as 30 secondes à la fin à enlever de ton temps. 30 ? Bah on va dire 10 ou 20, t'as 20 secondes à la fin sur ton temps total. Du coup deux zones, zone 1. Polo c'est le seul qui baise et c'est le... C'est le seul qui quoi ? Je voulais dire c'est le seul qui bosse et en plus de ça on l'emmerde avec notre balle. C'est quoi le programme là? Ça joue la crêpe là. Ça joue la crêpe du soir? Bon allez, par contre il est tard les frérots, il est 4h10, donc on continue l'insta, c'est parti, go go go. Il reste donc 4h. Voilà Paul, de la zone 2. Qu'est-ce qui se passe, Seb? J'avais peut-être oublié de faire les bons exports du coup. Ah non, me dis pas que je viens de filmer juste pour faire des gaffes. Du coup, faut refaire les exports. On a perdu une petite heure là pour pas grand chose. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense, Paul, de cette bourde? On pense que ça arrive. Ah ouais, lui, ça arrive par contre quand Alex fait une faute. Là, c'est. Je suis tout le temps ultra open pour vos problèmes. Je suis le mec qui blâme le moins au monde. Et voilà le petit décor du soir. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Ils vont jouer à un mini-jeu top chrono, donc ils vont devoir enchaîner 3 mini-jeux. Docteur Maboul, Jenga et mettre des paniers de basket. Voilà, donc ça c'est le premier jeu. Ensuite, ils vont enchaîner direct avec des petites fléchettes. Les photos sont non contractuelles. Voilà, désolé les gars, hein, vous affiche un peu. Ensuite, ils enchaînent directement avec je sais plus quel jeu, mais je crois, je dis pas de bêtises, qu'ils ont de la VR avec Keep Talking and Nobody Explodes. Ensuite, ils partent directement de l'autre côté pour jouer à Time's Up et à Jungle Speed. On a mis toute l'après-midi à tout setup, mine de rien, c'est long. Puis voilà quoi, ça va être cool. Regardez ces beaux plans qu'on a maintenant. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau chez Gotaga. T'as vu ? Elles sont trop bien les cams. C'est qui a fait ce visuel magnifique Poker Star? C'est Cédric. Oh là là, c'est Cédric. Cédric, tu me ferais pas une petite interview à chaud? Il m'a appelé pour une table. Cédric.
Vas-y, non, mais nous tiens pas la porte, surtout Alex. Hein. Les gars, j'ai les mains prises. Enfin, Ced, il a dû venir spécialement de Rennes pour rentrer cette table, hein. C'est chaud quand même. J'espère vraiment que dans les commentaires, ils vont encore dire, mais il y a que Steph qui bosse dans cette entreprise ou quoi? Parce que bon, c'est un peu la réalité. Et Ced, aussi, Ced, il nous aide de temps en temps. Et moi, je vous tiens la porte, mais non. Alex, gêne pas déjà, tu feras beaucoup. Alex, il priait pour que je me casse la gueule dans les escaliers. Hop, le trou. Moi, je disais, ça va faire du contenu. Hein. Vas-y, laisse-la là. Et alors? Wesh la team. Le hasard, tu lances le truc. Toujours premier arrivé, comme d'habitude. Ça, c'est vrai. Il y a le petit brief, si tu veux lire, Doc, pour les jeux de ce soir. Trop bien d'avoir mis la tête des mecs de la semaine dernière. On va pouvoir se venger. Tu as quoi ton buzzer? Mode replay? Ah, rien. En mode replay, c'est fou. Juste, il y a un golden blanc, il y a un gars. En mode, t'as plus à marquer les 15 dernières secondes. Hop, ça y est, c'est réussi. Non, je croyais, il était là, il jouait. On a barbichette. Let's go. J'ai une fléchette hein, dans mon salon. Ah, ça, t'as un jeu de fléchette. Ça n'annonce aucun niveau hein, d'avoir. C'est tellement aléatoire aussi ce truc. T'as déjà joué au Jungle Speed? C'est ton coup de t'attrape ouais. Ouais, je vois. Mais t'es j'étais jeune. Hein. Bah, mais ça, t'as l'air chaud en vrai. T'as l'air motivé. Ouais, t'as l'air motivé. Ouais, moi je suis là. C'est une bonne soirée. Ouais, je pense. Regarde, il y a les deux ozos là. C'est volontaire de les mettre sur les fléchettes. Ouais. C'est vraiment pour les. Ah, ouais, vraiment pour les amocher quoi. Dans l'œil quoi. Techniquement, lui, il a plus une grosse tête. Enfin, un peu plus facile de le. Tu dis Camine, il a une grosse tête? Ouais, en dimension, tu vois. J'avoue, Camine. On peut beaucoup plus le viser. C'est plus une cible. Ils attendent là. J'ai envie là. Bon les gars, je coupe. Vas-y, on a une mission à tout de suite. Hey, tu payes les subs hein. Bah alors Camille, on a vendu tout le stock apparemment. Eh, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Là, tout est parti, on est en train de préparer un visuel rupture de stock en urgence à publier sur les réseaux sociaux pour dire bah oui, non, c'était pas prévu du tout. On avait un deuxième poste de repêche, on doit tout annuler. Faut l'habiller, il a dit. Oh merde. Oui. Mince. J'ai un pantalon Cam. Est stylé ce pantalon. Ah ouais, heureusement, j'ai toujours ma valise du Zeven, c'est juste à côté de moi. Voilà. Ah, prêt à tout moment quoi. Exactement. J'ai ça. Off, du petit déo. Allez, on cut. Mel, tu me fais une petite interlude pendant que Coco se change. Non, je t'ai dit, je te parle plus. Blanc, non. Ouais, c'est un peu la facilité pour pas parler à la cam, non, ça, Mel? Non, je te parle plus, Valex. Mais pourquoi dès que je coupe la cam, t'es trop gentil avec moi? Bah, demande aux autres parce que je pense que c'est faux. Ah ouais? T'en penses quoi, toi? Je suis gentil avec lui quand la cam est coupée? T'es adorable. Ouais. Regarde, c'est bon, j'ai pote. Ça va, Mel? Ma pote? C'est la meuf qui met des pressions. On verra, toi. Ça fait trois fois que tu lui mets une pression dans la journée, le pauvre. Je pense que tu devrais mettre la casquette grise parce que là, ça fait peut-être trop de noir et blanc. Ah ouais, tu trouves? Bon, écoute, comme. Mais ça lui va bien, la casquette blanche, non? Oui, ça lui va bien. Mais il fait quoi là? Il se lave les dents? Il se lave les dents avant l'émission. Il se lave les dents ce matin et. Oh, petit cœur! Oh non, il en fout partout. Oh, t'as peur à tout moment. Il a mis des dentifrices partout sur le tube. Ah, sur le tube? Il en fout partout, je te jure, à la maison, il y en a tout le temps dans l'évier et tout, il en fout pas. Et est-ce qu'il nettoie derrière lui? Non, bah non, penses-tu, ce serait trop facile. Bon, du coup, tu dis que tu t'attendais pas à la rupture de stock, que dès demain on appelle le fournisseur, on en recommande. Je suis mort. Regarde là, la meuf du marketing. Bah, je le brief parce qu'il descend en émission. Je trouve qu'on voit pas assez Corentin, donc vraiment je vais le suivre dès que c'est moi qui vlog. Ça, c'est vraiment des moments que les gens veulent voir. Je le fais pas souvent en plus, hein, mais là, pendant un mois, quand je dis event, j'ai pas envie de me. Je peux pas me raser, ni me. Je cache. Ok, bon bah, let's go. Vas-y, let's go. Là, faudrait, tu vois, que tu mettes une musique. Tin, 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 tin. Ouais, mais avant, faut que tu fasses le play. Ah, d'autres fois, tu dis l'émission, c'est l'émission. Bon, désolé, j'étais en pleine. Vous jouez à TFT ou pas? Ah, lui, le mec, je sais pas de ça, mais bien sûr. Je suis piqué là. Vas-y, on fait ça alors, mettez une cam sur Seb. L'intro va être folle. Ok, maintenant, je vais juste dire qu'il y aura un truc top chrono avec le Jenga dans ma peau et le basket dans la même chose. C'est quoi le générique? C'est nouveau ça, hein? 3, 2, 1, c'est à toi! Bonsoir à tous, comment ça va? Ça me fait plaisir de vous retrouver en ce lundi soir, évidemment. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Comment ça va le chat? Ce soir, on joue à la fameuse émission Le Jeu. Outlé avec des fabuleux invités qu'on ne présente plus, hein, vous avez l'habitude de les voir ici. Ouais, c'est tout à fait un plaisir! On va applaudir s'il vous plaît, Seb! Oh oui! Ah oui, c'est là! Tu peux sortir. J'ai. Ouais, mais en fait, ça sert. Rien à l'intérieur. Et j'ai une sorte de. Faites quoi, les gars? Il y a émission là. C'était Tipoum pour pouvoir commander une crêpe pour la fin d'émission, du coup, j'ai dû les faire. Ça va en pleine émission? C'est une crêpe. Une crêpe de Gali. Qu'est-ce que tu me mets dans quel traquenard là? Ok, pour combien? Ouais. Tu prends ta crêpe, mais tu la ruines. Tu prends Oreo cornichon. Cornichon. C'est horrible. En 5. Vas-y, il y a reverse par contre. Vas-y. C'est bon? 1, 2, 3, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4. Encore? Non, mais par contre, toi t'es inspiré. Hein. Genre pour les mines, c'est. Attends, Doug. Nickel, merci beaucoup. Nice. Bonjour les gars.
Salut. À bientôt. À bientôt. Salut Seb. Merci pour la soirée. Ouais, et à bientôt le vlog. Salut Sofiane. Ciao ciao. C'était incroyable. T'es vraiment trop bien. Merci Sofiane. Ciao ciao. On dit bonjour la nouvelle caméra. Bonjour la nouvelle caméra. Elle est vraiment toute petite. Oh là là, mais c'est stabilisé et tout. Oui. Oh, vas-y, secoue. Incroyable, secoue. Ah oui, c'est grave stabilisé là. Oh putain. Non, vraiment. On a des télés, on a des boules. Ah oui. Ouh là là, attends, faut voir. La dose de stock. Alors Camille, c'est bon pour les envois des Teddy? Ça y est, tout est parti, j'ai trop chaud. Ça fait combien de temps que tu faisais les colis depuis ce matin? Depuis ce matin, donc j'ai passé la journée quoi. Je vais bien dormir, cette nuit. Ouais. Tuki, mais... Tuki. Mel, elle a eu ça sur son bureau. Non, dans mon carnet. Dans son... dans ton dans carnet? Dans mon carnet très personnel que je veux que personne ouvre en plus. Ah ouais, et moi j'ai retrouvé ça ce matin sur mon écran. Et c'est la même personne. T'as vu ces cœurs, ils sont trop moches. Les cœurs sont super moches. Ça c'est des cœurs de mec. C'était comme ça quand je suis arrivée ce matin. Et je suis arrivée... Il n'y avait que Cédric. Mais il sait pas faire les cœurs, il a fait un B. Mais oui, ça, c'est un truc de queue. Attends, c'est une énigme ton truc. Je vais voir ça, ça va bien. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah bah la nouvelle caméra visiblement. Par contre elle filme... Quoi elle filme? Mais elle filme trop là. Regarde, je zoome sur ma gueule. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui là? On a une réunion de 6h. 6h? Ouais, de 11 à 17. Ça va être 2h à tout casser ça. Non, en vrai, ça va soit être 3h, soit être 8h. Non, je pense que ça va être long. Il y a plein de choses à parler. Je sais pas si on va garder Steph. Je dis on parce que vraiment, c'est moi qui suis décisionnaire dans l'histoire. Oh, t'inquiète, c'est juste que j'ai parlé très fort. Ouais, c'est stylé, ok, t'as mis ça là-haut. Allez, salam alaikum. Fin de réunion, grosse journée. Bon Coco, c'est quand qu'on va faire du poker là en live? Jamais mec. C'était d'une violence. Donc là ils sont sur le LinkedIn d'Alexandre et même Corentin il est venu le vanner. La photo frère. Tu peux nous montrer la photo s'il te plaît? Mais elle est très bien sa photo. Elle est très très bien. Tu veux que je la mette tout sur Twitter ça? D'ailleurs je trouve qu'on devrait tous faire un shooting pour avoir des belles pépées. C'est vrai. C'est vrai qu'elle est belle cette photo. Mais elle va pas trop avec. Non, elle est trop large, elle est trop large pour Corentin. Elle va pas trop avec Corentin aussi. Non, avec mon teint. La couleur. Ton teint? La couleur. Non, ça fait très dépressif quoi. Très Paul Mirabel quoi. Ouais. Ouais, vraiment. Je me suis fait raqueter au métro. Dans le métro. Tu vois, moi je fais pas de faute de syntaxe, le post-it c'est pas moi. Par contre, ton frère, peut-être que. Non, c'est toi qui a écrit. Non, je pense que c'est genre Jeff en vrai. Ah non, moi j'avais balance. Du coup, en fait, c'est Cam qui a écrit sur ton truc. Y'a aucun suspense. Ah ouais, ce truc là, oui, bah en fait, c'est Cam. Parce qu'on pensait que c'était toi qui avais écrit sur son truc. C'est un imitateur qui a essayé de faire mon écriture parce qu'il a vraiment essayé de refaire tous mes trucs. Il y a quelques erreurs par-ci par-là, mais sinon, ça a fait mes S. Ça a fait mes S comme ça aussi. En gros. Elle a fait une erreur de syntaxe, Cam. Elle a écrit n'importe quoi comme code. Tu te souviens du post-it qu'elle m'a écrit quand même? Non, mais c'est bon, je balance parce que j'en ai marre après qu'après ça rentre toujours dessus. Parce que ça veut rien dire ce qu'elle a écrit. Le code est le premier à le faire. Et ça, c'était dans mon carnet. Dans mon carnet où il y a toutes mes to-do list. Non, moi j'aurais pas oublié l'accent. Ouais, mais elle aurait peut-être fait une faute exprès. Ouais, mais elle aurait fait une faute de... Non, mais je pense que c'est pas Cam. Cam, elle t'a plus répondu à un truc que par rapport au message qu'elle pensait que tu lui avais mis sur son bureau. Mais t'es la plus belle. Ouais, et en fait, c'est un imitateur. Bah, elle m'a rien écrit, j'ai eu que ça comme message. Pas de soucis, c'est une grosse exception. C'est quoi le placement là? Je pense que c'est vraiment très bonne idée. Ouais. Et bonsoir à tous la famille, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau lundi spécialement enregistré parce que ce lundi-là, moi, je serai sur une opération avec Carrefour. Donc ce lundi est enregistré, on est actuellement le 20. Même moi, j'y croyais, je suis là. Alors que t'es en direct. Non, les amis, salut. Ça coûte grave cher, hein. Ça coûte 700 balles ce truc. Oh, ouais, tuyau. Après, ça a l'air d'être du... Ça me coupe. C'est stocko, ça. T'inquiète pas. Au bout d'une heure et demie, t'as mal au cul. Vas-y, moi, je descends avec toi. Ah oui, non, mais ça va durer une heure, en fait. À bientôt, mec. Salut. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Bon, sinon aujourd'hui on fait quoi en fait? Nous on fait une petite réu Teddy, réunion d'équipe sur le Teddy, et après grand ménage carton, non c'est ça? Le barrage des locaux. Du stock. Je vais vous montrer les plans qu'on a fait. Le plan? J'ai fait un petit plan. Mais non.
Trop stylé. En gros, là, il y a l'escalier. En gros, j'ai pris les mesures en bas pour que ça tienne. Là, il y a le rideau qui va jusque là, mais vu que c'est pas impraticable, j'ai mis un mur, tu vois. Et en gros, aujourd'hui, on reçoit cette étagère là, celle-là là. Et après, c'est juste des simulations, mais tout ça peut dégager, quoi. Je sais pas. Sympa. Ouais, ouais, j'ai découvert ce logiciel avant-hier, ouais. Bon, allez, c'est parti. Dégustation pomelos. Ça a une peau assez épaisse. Donc, on coupe la peau tout autour. Ok, Camille Lignac. Tu vois la taille du bordel? Là, on voit pas encore le. Tu vois? On commence à apercevoir. Mais ça, c'est la peau, et elle est hyper épaisse en fait. Et c'est tout mou. Et y a pas beaucoup, beaucoup de jus en fait, hein. Tu vas voir. Regarde! Ah ouais? Tu vois? Et regarde l'épaisseur de la peau. En fait, ça s'enlève, et après, tu vas manger la pulpe. Et on dirait Ah non, en fait, j'ai pas de comparaison. Je suis le seul à pas connaître. Tu vois, regarde, hop, morceau de pulpe. C'est uniquement de la pulpe, y a plus de peau. Ouais. Mange ça comme ça. Et c'est juteux. Super bon. Il n'est pas mal si sucré. C'est sec. Toi, c'est pas acide. Je suis pas très fan. Mais ça m'étonne pas si t'es pas très fan de base des agrumes. La première fois que j'ai goûté, c'était en 84 au Pérou. Après mon retour de service militaire. Dans le chat, ça m'a lâché, mais Stéphane, il a 49 ans. Il s'attendait grave à un truc sérieux, tu sais, en mode. C'est Jonathan Cohen en fait, Stéphane. Eh non, je ne suis pas sommelier. Ouais. Tu l'as pas sous TikTok? Quoi? Ok, ceci est une descente de police, je suis pas festivalier. Je suis Steve McCanders. Par contre, faut avoir des coronesses faire ça au milieu de 50 personnes. Hein. Ouais. Ok, ceci est une descente de police, non, je ne suis pas touriste. Ah oui, ça serait pas trop bien d'avoir Jonathan Cohen un lundi. Vous en pensez quoi? Ce serait tellement drôle. Incroyable, je pense. Et tu penses qu'on peut. Il y a peut-être un monde où genre. Pour combien? Deux. Pour deux? Non, non, non. Il a dit deux. Non, mais non. Bah, deux. Tu sautes dedans. Non, 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 t'as dit deux. De quoi? Non, ben, pour deux, combien tu le fais? Des E, point d'interrogation. Moi, j'ai entendu deux. Il y a, c'est pas écrit. Vas-y, pour deux. Un, deux, trois, deux. Reverse, ou comme ça, c'est avec moi. Par contre, tu dois plonger la tête de la première. Je vais me rétamer. Il faut que tu te blesses pour avoir un titre. Tu veux que je te mette des coussins et tout par terre? Oui? Ouais. Ok, putain. Oh la logistique. Prends le plaid. Oh le pouf. Parfait. Voilà ce que ça donne quand on est que trois au loco. Allez, c'est parti. Ah, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Non, mais t'as raté, ça c'est, ça, c'est sûr. C'était presque. Je pense que je peux retenter, mais je vais faire un plongeon comme ça, tu vois, en bombe. Mais t'étais déjà en bombe. En bombe. En bombe. En bombe. Ok. Il est pas mal, là. Là, on est bien. Wow. Quasiment! C'est juste ton pied qui l'a emporté! Oui! Oui! Coup beau gosse ou pas? Bah. Ouais, de fou, c'est noir! Arrête! On verra l'image, moi je peux pas voir, tu vois, l'écran est tout petit, donc voilà, et puis je me suis concentré sur le cadrage, alors j'avoue, j'ai pas vu ta tête. Allez, c'est parti, on va bosser. Allez, on va ranger le stock. Oh, il y a de quoi ranger en plus. Oh non, vas-y, je remonte, ça va suffire. Il y a de quoi ranger, Stéphane. Bon, moi je te propose, c'est qu'on dégage tout de manière à vider les bureaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les bureaux blancs et qui vont sûrement aller là, les bureaux blancs, tu vois, donc on va les foutre là. Bon, du coup, ça va, on a bien avancé. C'est un peu le bordel encore. Bon, je vais pas vous faire 75 timelapse de ce qu'on fait, mais en gros, voilà, là ça commence à être pas mal. Ça range. On va acheter des étagères pour jouer avec la hauteur parce qu'on a un peu de hauteur et on va pouvoir stocker mieux les choses. Et voilà, au niveau du décor, enfin du plateau, on est en train de ranger quoi, mais ça commence à avoir de la gueule. Bon, quel enfer cette table là. Je la démonte complètement, c'est tout ça. Ouais, tu les casses le. Après, ça sera tout vide. On n'aura plus qu'à monter les étagères et restocker à l'intérieur proprement. C'est reparti. On est tout transpirant là. Alors, qui veut ouvrir un petit booster? Règne de glace. Alors, donc tu dois filmer d'au-dessus, c'est ça? Ouais. Ah, voilà, je vais ouvrir autrement. C'est les codes, là. Voilà, les gens. Et ensuite, c'est pas j'enlève 4, les 4 premières et je les mets en dessous? Je crois que c'est un truc comme ça, mais je me souviens plus exactement. 1, 2, 3, 4. Bah, au pire, si je me suis foiré, tant pis. On se foire, hein, c'est pas vrai. Et là, je retourne, c'est ça, hein? Je retourne là, d'un coup. Ouais, tu retournes. Comme ça. Énergie, ok. Et après, okay. Je tire par là, où, là? J'enlève celle du dessus ou j'enlève celle du dessous? Non, celle du dessus. Donc là, on est censé avoir des indices déjà, c'est ouais, ça? Ouais, donc là, c'est bon, c'est une normale. Bon. Voilà. Narcisse. Lona, donc c'est les cartes Brisseur. Ça, j'ai jamais su. Nom commune. C'est des petites cartes de Bastien. Sœur. Ok. Sale gamin. Ok. Venipat aussi, un peu pof. Ok, c'est bon. Ok. Après, il m'en reste trois, je dirais. Ok, c'est bon.
Ramolos, et là. Doucement. Oui, mais il m'en reste trois. Doucement. C'est celle-là. Je crois pas. Si on s'est merdé, c'est celle-là. Non, c'est bon. Ok. Eh, je crois que tu t'es gavé. Cravagar. La dernière, et du donc, coup. La dernière, je fais d'un coup. Là, c'est comme là, ça. Là, c'est d'un coup, ouais. Oh lolo. Ouais, bon, elle est, bon, elle est d'accord. Pas super, mais elle est reverse, tu peux la. Elle est mignonne, quoi. C'est la petite reverse de, du paquet, quoi. C'était sympa, quand même, comme expérience. Et c'est rigolo, hein. Et encore, c'est pas les gros boosters. Ah, mais stylé. On et peut ça les ouvrir. Aussi. Ça, c'est bien à ouvrir. Ça, c'est bien à ouvrir. Bah voilà. Alors, c'est ça. Ah, bah voilà, mais du coup, ça nous fait un petit paquet à ouvrir. Ça y est, c'est elle est partie là. Ouais, c'est étalé là. On va une trace. Tsuki. Elle adore venir.